en Arizona. Les DC-3 ont servi à alimenter l'ensemble de l'industrie du transport aérien mondial renaissante. Toutes les grandes compagnies aériennes d'alors, dans les années 45, 46, 47, absolument toutes ont acheté des DC-3. C'était pas cher, à la limite, on les payait pratiquement au prix du kilo d'aluminium. C'était des avions de surplus dont les armées américaines n'avaient plus l'usage. Mais ces avions étaient souvent des avions avec assez peu d'heures de vol, et des avions en bon état. Et donc, des compagnies comme Air France, par exemple, mais aussi British European Airways, Alitalia, Lufthansa, tout le monde s'est équipé de DC-3 achetés dans les déserts américains, ramenés en Europe, ramenés en Afrique, ramenés en Asie. Et le transport aérien a véritablement repris son essor après-guerre avec cette merveille volante. On est encore quelques-uns ici à avoir piloté des DC-3 et à s'en souvenir. Et c'est un avion qui a marqué tous ceux qui ont volé dessus. Le DC-3 que nous allons vous présenter est donc un avion qui appartient aux collections, à la collection, à la liste des avions de collection français. Il vous est présenté par un équipage composé de Gaby Evec, Gabriel, qui a eu une longue carrière de pilote de ligne derrière lui, à Air Inter en particulier. Il a fini sur Airbus 330 à Air Inter, et son copilote est Jacques Lombroso. Et avec leur petite équipe de passionnés, ils maintiennent en état de vol ce DC-3 qui est une véritable merveille. Nœuds, l'avion à peine trimé, une petite pression sur l'arrière, sur les volants, et le DC-3 qui tenait. On rentre les roues, il y a toujours la roue droite qui rentre avant la roue gauche, question de paresse du circuit hydraulique, et voilà, tout rentré, voilà en configuration croisière. Voilà donc ce qui est peut-être l'avion le plus important de toute l'histoire de l'aviation, pour ce qui nous concerne, nous le public voyageur. L'an dernier, 3 milliards et demi de billets d'avion ont été utilisés de par le monde. À l'époque où le DC-3 est entré en service après la guerre, la totalité des voyageurs aériens dans le monde entier s'élevait à peu près 200 000 personnes. On est passé de 200 000 à 3 milliards et demi. Le DC-3, donc bimoteur avec des moteurs Pratt & Whitney, c'était un avion qui n'allait pas très vite, qui allait aux alentours en croisière, hein, en vitesse commerciale. Il allait aux alentours de 300-320 km/h. C'est un avion qui pouvait transporter confortablement jusqu'à 24 passagers. On pouvait y mettre du fret, on pouvait mettre moitié fret, moitié passager. C'est un avion extrêmement versatile. C'est un avion qui se posait et décollait sur des pistes peu préparées. Par exemple, on en a beaucoup utilisé en Afrique, à Madagascar par exemple, où des DC-3 utilisaient des pistes de 900 mètres de long en latérite. Mais surtout, ce qui marquait le ciel des années 40, des années 50, c'était ce son. Les militaires ont utilisé le DC-3, l'armée de l'air française a organisé le transport aérien militaire de l'armée de l'air française autour du DC-3 à la fin des années 40. Et donc cet avion a été de toutes les grandes opérations militaires françaises jusqu'à peu près la fin des années 50. Après sont arrivés des avions plus spécialisés, le Nord Atlas, puis le Transal. Et bientôt l'A400M qui est déjà en service et qu'on verra tout à l'heure. Mais le DC-3 est quand même l'épine dorsale du transport aérien. C'est un avion un peu physique, hein. C'est un avion très classique à l'ancienne. Si on essaye d'être un peu dur avec lui, il se rebellera et
Faire tourner un DC-3, c'est très facile quand on a pris le coup, mais tant qu'on n'a pas pris le coup, on a un peu l'impression d'essayer de convaincre un hippopotame de se coucher sur le côté. Mais par contre, une fois qu'on a pris le coup, une fois qu'on sait doser l'inclinaison de l'avion avec l'utilisation du palonnier, on a un avion qui devient étrangement très manœuvrant et presque, non pas acrobatique, mais un avion avec lequel on peut oser beaucoup de choses. C'est un avion qui marchait bien par forte température, c'est un avion qui marchait bien dans les glaces de l'Arctique, c'est un avion qui marchait bien partout. Et une des choses les plus intéressantes, c'est que dans les années 2000, la FAA américaine s'était émue du fait qu'encore à peu près 500 DC-3 étaient répertoriés dans le monde. Et ils disaient, mais cet avion dont on a délivré le Type Certificate au milieu des années 30, on en est responsable juridiquement. Mais qu'en est-il de la sécurité de ces avions? Alors ils ont pris le plus vieux DC-3 qu'ils ont trouvé en Amérique, il avait 90 000 heures de vol. Ils l'ont amené dans un laboratoire fait pour ça et ils l'ont cassé. Ils ont pris l'avion, ils ont commencé à tirer dessus et bizarrement, c'est pas l'avion qui a cédé, ce sont les machines qui étaient destinées à le casser qui se sont tordues. Et donc la FAA américaine a estimé officiellement à la fin de ses essais que le DC-3, qu'un DC-3, s'il était correctement entretenu, n'avait pas de limite de durée de vie. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, de par le monde, quelques centaines de ces avions travaillent tous les jours, entre autres pour transporter du cargo dans des pays parfois reculés, mais aussi aux États-Unis par exemple. Ladies and gentlemen, the DC-3, the Dakota DC-3. I'm going to make it a lot shorter, of course, but this aircraft was the very first to be really considered as a passenger aircraft. Thousands have been built, different models, and it's interesting to know that a little after the war, well, passenger transport needed to be developed, and this was the very first aircraft to really develop transport. We could seat up to comfortably up to 24 passengers. It of course carried freight, and this model flying today is still part of the 500, approximately 500 still flying around the world. There is also something quite interesting about this aircraft. It's been a little modified, but it's extremely solid. It's practically unbreakable. About 15 years ago, the FAA decided to take this aircraft, put it on a bench, and try and tear it apart and see how strong it was. It had 90,000 hours of flight time. Well, in fact, the aircraft didn't break. The rest broke. So, well, this aircraft now is practically unbreakable and still flying. And I have personally been down to South Africa, and a couple of years back, I even saw a three-engine Dakota. They added on PT-6 engines, and they put up an engine in the nose of the aircraft. So they've done quite a few modifications on this aircraft. And it's now coming back by a left turn to land. Poser un DC-3, c'est toujours un peu une petite aventure délicieuse. Bon, c'est un avion qui vole à peu près tout seul quand on préaffiche les régimes moteurs qui vont bien. On sort le train, on sort les volets. Ça fait un peu des chuintements, des drôles de bruits d'hydraulique. Mais l'avion semble toujours s'inscrire tout seul dans la trajectoire correcte. Et puis on l'amène près du sol, que haute, on peut essayer, les anciens le faisaient, ils essayaient de le poser court, trois points. Mais là, il fallait être ancien, avoir beaucoup d'expérience. Mais finalement, amener le DC-3, ben, on l'amène aux alentours de... Les vitesses sont graduées en miles par heure et non pas en nœuds, comme sur les avions modernes. Donc on l'a amené aux alentours d'une centaine de miles à l'heure avec les volets sortis. C'était un avion d'une stabilité, c'était un avion totalement impassible sur sa trajectoire. Donc on l'amène, elle bien à plat, et puis on vient finalement le peindre sur la piste. Il n'est pas besoin d'essayer de le poser, même pas. On l'amène comme ça, comme le fait Gabi maintenant, avec les volets sortis, avec un peu de vitesse, une centaine de miles.
On réduit lentement les moteurs. Les moteurs, il faut les traiter avec beaucoup de gentillesse. Donc on réduit lentement les moteurs et puis finalement il descend. Les roues se peignent sur la piste et puis on réduit à fond et puis la queue descend, la roulette de queue se pose par terre. On se bat parfois un petit peu s'il y a du vent de travers, il faut se battre un peu au palonnier pour lui faire garder un axe propre. Mais c'est vraiment un avion délicieux et c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir se dire ben, j'ai volé sur DC-3.